Cour suprême Venezuela a appuyé réclamation président en place là, Nicolas Maduro, fait pour dire que les battent candidat opposition Edmundo González dans l'élection présidentielle qui était déroulée dans la date 28 juillet passé à et qui en discussion. Tribunal là qui gagne la donne monde qui loyal envers Maduro, t'es dit hier jeudi à après les fins révisées matériel autorité électorale la tibaye, il était d'accord que Maduro t'ait gagné un troisième mandat 6 ans. Mais déclaration juge en chef là, Carislia Rodriguez, t'est fait. Al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral. Chamsa a certifié matériel électoral et validé résultat élection présidentielle 28 juillet 2024 là que Conseil électoral national l'a publié. Côté Nicolas Maduro Moros, t'est élu comme président République bolivarien Venezuela pour période constitutionnelle 2025 là que Conseil électoral national l'a publié. Côté Nicolas Maduro Moros, t'est élu comme président République bolivarien Venezuela pour période constitutionnelle 2025-2031. Donc c'est décidé, déclaration juge en chef là, Carislia Rodriguez. Autorité électorale qui était déclaré Maduro vainqueur vote là, dans quelques temps après bureau vote yo était fermé, rapporté que président était gagné plus passé moitié dans vote yo, mais il n'y a pas publié aucun résultat. Marie-Luce Pierre, VOA Créole.